et sur un retour très court de la part de Lucas. Carré de service. Comme sur le premier point du tie-break, cette fois c'était la faute de Lucas Pouille. Et bien, c'est deux points de service, Raphaël Nadal. Non, la politique est interdite. Oui, c'est pas mal. Ça fait 3 points 1 à Lucas Pouille. 3 points de suite. Oh, il enfonce son clou au Guinness. C'est fort, c'est très fort ce qu'il fait là. Ah oui, là, Yannick, il faut y aller maintenant. Hein. Faut s'exprimer. Oh, j'ai vu. Et toujours pas d'enflammade, un très peu de geste, il s'encourage rarement. Il est dans son match. Allez, il peut en chipper un là sur les deux. Oh. On tourne à 4-2 en faveur de Lucas Pouille. 4-2. Voilà, la foule dont on parlait tout à l'heure, voilà. Qui attend, qui ronge son frein. Là, c'est sûrement des train au mieux que dans une heure. Le temps de faire sortir tout ce monde du central, ticket, session de jour pour faire rentrer tous ces gens à la session de nuit. Allez, Lucas, oublie le score. De chaque point avec les bonnes options tactiques en exploitant les moindres balles faciles pour surprendre Rafael Nadal. C'est quasi la clé du match. Bien sûr qu'il vient de gratter ce troisième point de Rafael Nadal. 4-3 Lucas Pouille. Deux services à venir pour le Français. 4-3. Oui. Deux services. Challenges remaining. C'est tendu, oui, un petit peu.
faire 100 premières balles dans ce time break, Lucas. C'est bon, plutôt pas mal. Son temps, il choisit dire sa zone au service, garder ses options tactiques, oublier que c'est un point particulier, c'est un point comme les autres. Il a pris ses armes, essayer d'exploiter les petites faiblesses peut-être de Rafael Nadal et Lucas. C'est fou. Un match de 4 heures qui va se jouer sur 2 points, peut-être 4, 6 partout au tie-break du 5ème. Un coup de dé. Thank you.
irrespirable. Pas tous les joueurs, joueurs, à mon avis, peuvent un tout petit peu crisper. Surtout des fatigues de deux matchs en 5-7 précédents, il est